Les avions n'atterriront plus sur la piste de l'aéroport de Jigenchor pour une période d'un mois renouvelable. La décision a été prise ce 13 avril et les raisons qui justifient cette fermeture brusque de l'aérodrome de Jigenchor pour tout trafic à compter du 15 avril 2022 à partir de 23h59 sont relatives à des imperfections dangereuses pour le trafic. L'activité sera momentanément redéployée sur l'aéroport du Cap Sekering. Selon des sources concordantes, une fissure de la dalle du bâtiment d'enregistrement des voyageurs et la mauvaise qualité de la piste à plusieurs niveaux serait à l'origine de cette décision. Une partie de cette dalle a même cédé, selon toujours nos sources. Il y a eu plus de peur que de mal car il n'y avait pas de monde au moment où se produisit l'incident. Suite à un contrôle technique d'un avion de 17 places de la compagnie Arc-en-Ciel, il a été constaté sur place à Jigenchor par une équipe des inspecteurs de l'ANACIM que la piste est dégradée par niveau et qu'elle constitue un danger pour le trafic. La fermeture momentanée de l'aérodrome de Jigenchor aurait été programmée avant le début de la saison des pluies. La mauvaise qualité de la piste et l'incident survenu dans la salle d'enregistrement auraient alors précipité les choses. Jigenchor, Amadi Khalilou Diémé, pour la radio-télévision Wolfadiri.